Mouno Cap levé demain en l'air pour danser compas après la police débarqué dans fief en groupe armé parmi yo gon nèg la dan ki rele Benben qui c'est yon nan qui affilié avec Timisi 400 Maozoyo. La police rive à temps, gen en pile bandi qui mouri nan groupe armé ça, gen en pile l'autre qui joine arrestation yo. Opération sa te tanmen nan Kafou, petit temps pour moun ki konnen Cap Haïtien très bien. Gen en pile l'autre détail qui va vini la men kon bagala son coup de l'eau, son coup de l'eau fret. C'est avec infiniment de peine m'a annoncé nous policier qui te recevoir cartouche nan affrontement nan sa vient. On bonne opération policière t'a tanmen sa vient hein. Policier ça qui t'est touché par balle, eh bien, li fait voile pour pays sans chapeau sous cabane l'hôpital. Non, c'est Élisée Félix, yon 24e promotion. 24e promotion. M'pral bon tout détail, m'pral parler avec vous en pile nan cadre émission ça. Mais yon nan bagay toujours appelé que en matière d'information, c'est nous-mêmes qui numéro 1. Comment nous y est? Est-ce que nous avons la police débarqué en dans au Cap? Mon cher, c'est une information que la police joigne et la police pas de printemps. Je vous dis à la police qu'on facilité pour vous déplacer. Ça, son bagage qui nous pas de joindre dans un temps. Parce que longtemps qu'on a pris la police, vous avez gaz ou bien vous avez pas sorti là parce que vous avez trop de monde qui n'a pas de temps. C'est vous-même qui détruit les gens qui n'ont pas de place. Vous avez pas de effectif. Mais qui s'est passé? Je vous dis à France LB font nettoyage, limiter institution update. Qui nous clé à temps mes opérations, c'est rapide, vite, on prend son bagage, l'huile poule. J'en ai gagné mes deals. Qui s'est passé? La police n'a au Cap touye divers chefs gang. Parmi eux, on s'est écrit les Benben et Benben. Bah, comme ça, monsieur s'est présumé base 400 Maozo qui à la Mascaille, et bien monsieur jeune l'en mol en dans au Cap haïtien avec plusieurs autres jeunes garçons. Qui dit que c'est gang dans le pays d'Haïti, il a installé quoi au Cap Haïtien, il a joué une arrestation, opération ça fait dimanche qui s'est passé à là. Eh bien, forme du, après la police, t'es fini une information que Negio t'es venu caché dans zone Riel Abraham qui tout près Carrefour Petitans, dans la commune Cap Haïtien, pour monde qui connaît au Cap très bien. Eh bien, la police fait une intervention, attend, ça qui t'a pris le bâillon avance. Sous chef gang yo, est-ce qu'on comprend? Parce que la police arrive au moment même, les fins de information pour dire, mais côté nègre a bouetti comme yo la, mais côté nègre a enjoy comme si rien n'était, comme si c'est des citoyens paisibles et honnêtes. La police débarque, s'entende, bandi la lose en bas coup de balle. Aïe aïe aïe, garçon. Bandi la lose, bandi, on va faire fil à langue en bas coup de balle parce que la police pas joué. Et il y a quelqu'un qui joue une arrestation yo, actuellement là, qui nomme la police poursuite judiciaire nécessaire. Est-ce qu'on comprend? On dit ça déjà. Bandi c'est des bagailles. Malgré tout, faut choisir une option ça ou pas être repenti. C'est soit ou aller devant papa baon dans cimetière ou bien ou aller droit dans pénitencier national ou bien une prison civile qui est dans pays d'Haïti. C'est comme ça qu'il dit. En tout cas, la police déterminée, mes chers amis, pour capable traquer bandi, quel que soit côté bandi a fait niche, la police dit lui-même la vienne dénicher. C'est comme ça qu'il dit. Quel que soit côté bandi a, lui pense le cas prend comme on zone, on refuge, bandi a vini la mais la police a vini alors la mettre six prises pour bandi a. Opération au Cap ça, l'été arrivé possible, c'est grâce avec population. Vous comprenez? Population qui n'a pas dormi, population qui a fait un travail qui est vraiment extraordinaire. C'est ça même dit nous journée aujourd'hui, elle n'a pas appris mais n'a applaudi la police là pour une intervention policière qu'elle fait, nous pas qu'à bouder effort population, quelques membres dans population qui honnête qui voulait que bagaille changer parce que journée aujourd'hui, il y a un plus gros problème pays d'Haïti à affronter, c'est question comprendre et insécurité qui sont gros, ça sont problème majeur. Est-ce que comprendre peuple a voulu sortir là à tout prix qui donc yo choisi livrer yo comme ça doit, yo pas gain ça mais éléments d'information que vous avez à temps, vous devez rentrer en contact avec l'institution, s'entendre la police qui est en déclencher, c'est ça qui t'a pris le bail. Je ne vous dis pas, je comprends, la police arrive à dormir, manger, tito, ça qui t'a opéré en dedans au Cap Haïtien. Et ça, on a tout de suite madine, tellement pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Ça va dire nous, mais pour ça, je ne vais pas venir là pour appuyer une zone et puis pour me dire, ah, l'autre zone n'est pas bon. Non. Pays d'Haïti en soi est totalement gangsterisé. Pays a totalement ganglé. A fait ou nèg a fait propagande. Pas le porte au prince, vini si vini si l'autre bobito. Moi, je vais vrai. Je vais j'aime tout ça. Vous comprenez ça? Parce que si on mal arrive, parce que je suis plus de monde qui a coûté, je suis à gauche, je suis à gauche. Parce que je suis fan inconditionnel. Tu n'es qu'un chouette là. Je comprends? Je suis fan tête partie plateforme si là.
qui donc samedi yo c'est yo y a fait samba yo c'est yo prend comme l'évangile et ça fait me respecter tête moi m'pa vinn là pour m'bay mentor au lieu m'bay mentor plutôt m'bébé et ça me dit ça arrive pam est-ce que vous comprenez et bien moi me dit les moun là rete là dit pas la porte prince non al tel côté son propagande n'a fait m'pa connait pour qui raison l'a fait mais quand même son propagande l'a fait pour ça moi me dit ça pays d'Haïti pas gain koto là dans actuellement là pour en sécurité. Même ouais, Miragouane, ça fait m'ka dit Miragouane, c'est un côté plus ou moins m'ka senti, même si m'pa fin tranquille net, mais au moins m'ka dit gen un commissaire gouvernement tout ça, bandi respecte l'an zone nan, bandi pa kouri kon sa vin fè on dérapage, vin fè on zak parce que konnen yo ka jwenn avec zo gen parce que commissaire ça pa jam dormi ni la journée ni nan nou gen m'ka mande ki le commissaire a dormi. Bon question ça bon, il ka répondi même pas quoi réponse important. Zon bandi si yal kon ki le commissaire a dormi, a dit ti l'el prend pour reposer, si les sa bandi a pral prend les mêmes pou pi a fait on les chape pas là rat prend caille est-ce que vous comprenez mais pour celle là ou m'te ka di on monde ou ka font coup de pied oui même pas bien m'dou vini là parce que c'est tranquillité non pas faire ça parce que journée jodi a phénomène gangsterisation ça son bagage qui purement politique c'est ça qui me connaît et politique fait dans 10 départements pays d'Haïti gen nèg la comprendre c'est insécurité à utiliser comme atout pour ba yo voix dans élection qui prévoit fait yo et gen nèg qui tande Jean Cor groupe Jean Bini Jean et Nations Unies chaud nan ko Ariel Henry pour organiser élection c'est à ton nèg yo a bay zam a armé ghetto yo est-ce que comprendre a dit m'pa jam pas prendre aucun engagement m'pa dire vini non vini la sécurité non pays d'Haïti pa sécurité dès pour faire ça on rentrer est-ce que comprendre bon gars on bagaille m'pa dire bagaille on ka prendre ça pour comme une blague. Longtemps, on va trouver même petit papillon à pas les yeux en dans l'air, petit papillon a volé mademoiselle, on dit mademoiselle lirelé, l'a volé, n'a qu'un petit mademoiselle, nous comprendre n'a metté petit fil, n'a marié qu'il avec un petit fil ça qui puis l'a volé avec nous, on prend ou bagaille ça encore, mais mademoiselle là ça n'est les papillons, oui, est-ce que vous comprenez? Les vinn père volé en Haïti, m'a besoin de encore même mouche pour parce que mouche sans mon truc faut mouche tout dans oreille. Est-ce que vous comprenez? Haïti pour nous, oui. Et tout bagaille qui fait stran, oui, actuellement dans le pays d'Haïti. En tout cas, détour ça, yo. Bon, une image qui vient de moi, qui a fait avec mes amis. La police nous dit nous, trois, gain 112. Next, ça, on les reprend nous-mêmes. On prend les boules, on boule nous. Est-ce que vous comprenez? Nous-mêmes, nous venons faire tête, yo. Bayon design, la colorie, ou bien, bon, bayon bel design pour nous garder, pour nous bien prendre feeling. Est-ce que vous comprenez? Qu'on y a une direction, on prend. Quand il y a l'énergie énergie à gaspiller papa next ça est tout fou on tout lagué oui ça même pas dit nous la gon vieux côté parce que odé a pas trop bon odé cadavre la déranger mon dans canton est-ce que vous comprenez mais next ça au pas aucune considération qu'a faire maintenant mon non mon maintenant mon sérieux mon qui gagne famille ça au gagne famille sérieux. En tout cas mes chers amis continuez bailler la police la bon gens information ba le bon donné à temps et pour la police elle l'a déployer pour comprendre pour pas venir bailler petite semble avec papa ça me toujours demander nous bailler information qui fiable bay information qui vérifie parce que la police elle-même va briver dans moment. Ils ont bandi bandi a gen zam nan mais pour la dit bal ou si information authentique. Ça va venir faire non parce que population forme tout ça. La police a li croit dans nous. Ils ont bandi débrouiller la police a dit mais tel côté gon dérapage la police a venir sortant de là maman petite Marie et comme ça lié. Est-ce que comprendre? En tout cas, l'autre détail qui me prend ban nous contingent dérangé mais alors qui pas contingent non qui dérange totalement parce que me toujours dit vaut mieux 20000 sanguinaires tombés une fois un policier pas tombé dans l'institution hein. Et ben nous connaissons comme ça des pouvoir bail frappe on les tout faut attendre qu'on caresse voir frappe. Qui ça te passé grand policier qui était dans opération t'a tamé en dedans localité ça vient ça t'a pral bail trois bandits tombés tête noire et des grand policier qui était touché par balle policier à côté il était touché là mon cher son côté balle là t'a fait gros dégâts. C'est au niveau des poitrines. Est-ce que vous comprenez? Balaté fait gros dégâts parce que nek sa nous connaît pas tibayo gen nan men, c'est ba fond nigri fond tout bousis. On bon, c'est ba ça nan men nek yo. Fag zam, zam fond fwa et bien police sa terrisse voir on balle au niveau des poitrines et bien il était gen temps aller dans l'hôpital Mibale, arriver dans salle opération parce que c'était vraiment critique, mais c'était vraiment grave et bien c'est là sous cabane on prend opération hein, l'état va dire la vie bye bye. Même Abdil bon combat continue route là, si gain réincarnation n'a recroisé, si toutefois ce jugement me penser bon Dieu déjà réservé dans paradis parce qu'on t'a fait un travail pour libérer peuple ça en bas main voyou sanguinaire, je veux qui t'a tout pisi population hein, mais ou tomber dans façon ça dans exercice fonction, nous souhaiter que on prend té à léger et puis que paradis a porte là déjà ouvre ko déjà chita à droite papa bon Dieu c'est ça me souhaiter pour parce que moun ka fait bon bagay nan mi pa ka perdi et je comprends nous dit ça moi moun ka fait bon bagay dans la nature moun ka fait bon bagay dans le monde entier nan mi pa ka perdi bon Dieu égaré lui même et pas pour moun yo l'a chercher li besoin malveillant connait on est quoi l'amour mon Dieu va le prendre.
quoi nous comme on dit comme ça oui là on mène les salaires personnels qu'on y a les monsieur qui finissent voir dernier balle là après ça balle là les balles dit bon Dieu pardonne parce que pas comme ça m'a fait bon Dieu après ça là on a ramé dessus. Non, c'est en tout cas mes chers amis policiers ça qui était affecté dans six mois mais gon uniforme de ouais mot mais étant donné on prend nous ca yo ca affecté de yo ca non tel quoi spécialisé à un autre depuis au vle ça dépend des volontés yo et bien policiers ça c'est non information il était affecté dans six mois il t'a tenté opération bien monsieur mouri sous cabane l'hôpital dans moment yo t'a il t'a pas sibi yon opération et sous comprendre balati déjà fait un gros dégât monsieur dit qu'il était en oxygène même respiration pas normal et sous comprendre et bien monsieur dit bye bye. Bon, c'est que soldat chrétien, agent policier, un petit monsieur qui n'a l'âme et qui a fait un coup de main, je ne dis pas, quand on a fait un coup de pouce, pour yon, comment on est capable de démanteler les gangs dans le pays d'Haïti, monsieur prend ça comme leçon. Et je tout dit ça avec France LB. Pendant que nous fait, on a gagné un apton et 20 chablendés, et si on prend avec toutes les armes M60 sous tête, est-ce qu'on ne peut pas gagner les pas balles potatifs? A dit ça nous kembe nan men yo on prend nous kon ap gade guerre et puis nous un gilet a dit soldat mette le devant agent policier mette le devant pour éviter tout impact toute balle qui vient en direction et bien la frappe nan pas balle là est-ce que vous comprenez et puis lui même la protéger des consal ka une quelques bandi pour le tuer est-ce que vous comprenez. Gardez bien si m'ka opde parce que pas m'ai mettre opde c'est parce que c'est pays d'Haïti et puis n'a dit ah n'a fait bagarre là on prend prendre Jean Wem là non pas faire comme ça ba on mettre opde parce que n'a vive non air qui vraiment éclairé c'est ça qui me donne connait et nous en dedans nous dans le monde l'autre pays a évolué nous même nous était là n'a fait pas nous propre chicata nous en tout cas c'est parce que augmentation. OK yo constater gon diminution de comme si dans bataille tu as fait considère avant pandémie hein yo censé faire un bac là dans lui parce que comme si pendant pandémie hein donc bataille considère donc il au point j'étais lâché lui donc une augmentation de cas et surtout que bagaille constater c'est que grand pile monde qui était sous traitement yo et antirétroviral yo par exemple yo parlait de 66000 monde qui était accès à médicaments, à traitement, ou quantité de monde ça va diminuer à 46 000. Parce que, grand pile de monde qui vient décider pour plusieurs raisons, il n'y a pas le bon médicament encore. Soit parce qu'il y a une victime de ça aurait les discriminations, le monde qui a fait stigmatisation sur eux-mêmes, soit tout que il n'y a pas de accès à médicaments. Ou. Donc, c'est une situation ça qui vient d'exister qui fait que, il y a dit que yo pral redoubler d'efforts pour bataille contre particulièrement dans province Santiago avec dans Grand Santo Domingo particulièrement dans zone San Cristobal comme ça. Donc ça si on indique que Santiago avec San Cristobal ça veut dire que niveau de prévalence est capable élevé dans zone ça selon étude là. Comme vous évoquez le nombre d'Haïtiens ou bien le nombre de monde qui d'origine haïtienne qui est affecté par rapport à chiffre ça, maintenant est-ce que quelque part vous n'avez pas souligné un tableau comparatif ou dit entre les monde qui dans le pays d'Haïti et les monde qui est affecté dans la République dominicaine, mais qui sa situation y est dans quatre batailles qui a mené contre. Vous avez un tableau comparatif, okay. Bah, ça, tableau comparatif là, bah, c'est OPS ou MS qui est capable. Fèl nan ka sa. Okay. Mais ça qui arrive, m'a souligné, nous, on a parlé de infection de haïtiens qui traite avec sida. Il y a pile cas de monde qui est infecté soit dans la région frontalière qui traverse à l'Albanie en République dominicaine parce qu'on n'a que accès à médicaments plus facile et que pas gain vraiment vrai un système de traitement que gain dans l'hôpital qui dans zone frontalière, ça veut dire que grand pile monde le plus souvent. Et des cas moi qu'on a signalé c'est des gens qui ont prend soin néonatal, des gens qui ont des femmes enceintes et qui a fait suivi en République dominicaine, nous on vient en pile cas que femmes enceintes ça autour qu'on gagne sida. Donc c'est des situations comme ça qui existent particulièrement. Analyse sur le deuxième aspect. Deuxième aspect, bon, c'est bol 100% lié. Et comme on dit, parce que l'aime garder dans les réseaux sociaux, l'aime de garder deux mouns qui fait en vidéo sous question, y a pas référence qui fait déclaration sous question saisie bien à Haïtien République Dominicaine. Non, texte que y a publié, au contraire, en fait, traduction espagnole là, pas fidèle à ça, mon abdi en réalité, parce que y a parlé de Abel Martinez, c'est
magistrat Ville Santiago qui s'est candidat à l'élection pour le poste de candidat et à l'élection présidentielle et pour le Parti de la Libération Dominicaine. Et monsieur a fait campagne. C'est vrai que Abel Martinez toujours font campagne anti-haïtien. Et c'est celle pour un programme, parce que monsieur, c'est récemment là que monsieur commence à parler de l'autre thème, mais toujours le thème qu'il a toujours gagné, c'est le thème anti-haïtien. Mm-hmm. Donc, Abel Martinez a fait un spot pour te mettre sur les réseaux sociaux, pour te faire un appel pour Dominicains sortir à manifester dans la date 6 août qui sont passés dans la place Colon. La place Colon est située exactement dans la zone coloniale et Santo Domingo. Alors, il y a un groupe qui est l'Institut Doualté, qui sont un groupe ultranationaliste qui a organisé la manifestation. Ça. Donc, à Benatines, en appui à la manifestation, ça a demandé aux Dominicains de sortir à la manifestation. Dans le texte, nous, je te mettais à monsieur de dire que Dominicain, il doit pour sortir et manifester et que ce n'est pas sous décombre. Ça a relé la dominicanité et avec nationalisme dominicain que puis au bâti et l'État failli d'Haïti. Donc c'est en Haïti, il demande la communauté internationale que c'est en Haïti même, puis au bâti Haïti. Donc. C'est ça, monsieur t'a dit textuellement. Donc, Mundo venait d'abriter de l'autre façon. Il dit que Dominicain dit il y a saisi ou bien business haïtien. Donc, même pas dans le débat, ça n'a aucun côté, officiellement, pas aucune déclaration qui fait, qui a un rapport avec la question. Ça. Et dans le bon sens, même pas quoi que son bagage qui est possible. Il est possible. Sauf si tu es arrivé dans une situation où ça t'est passé dans Cuba ou bien que ça passe dans un pays comme le Venezuela, que qu'on bascule de un régime de la droite à un régime de gauche ordinairement, qui comme fait de gauche ou d'extrême gauche ordinairement, qui prend des décisions comme ça, qui prend des décisions de nationalisation de biens, de mais ça c'est à rentrer dans le cadre général. Là, ça t'est passé dans Cuba. Fidel Castro t'a fait particulièrement pour bien et des Américains et des Cubains qui étaient liés à Figueroa Bautista. Yves-Marie Chanel. Mais, non. Oui, on va mettre ça avancé. On va me poser une prochaine question, on va mettre avancé. Donc, non, situation comme ça, et côté l'économie dominicaine, chita sous ça, l'investissement étranger. Moi pas et que les investissements haïtiens dans la dernière année là représentaient plus que 250 millions de dollars sans compter investissements qui fait depuis les années 1990-91 les qui étaient venus en embargo après tremblement de terre à côté de la délocalisation d'entreprises haïtiennes qui étaient quittées Haïti qui étaient abri qui étaient qui étaient installés en République dominicaine donc il va chiffrer va et ça va. Même ba ouais comment la loi dominicaine pas prévoir ba comme bon ça il y a pas aucun décret ni rien qui t'a pas penser comme bon ça et pour moi même si t'as fait c'est d'avoir un signal négatif contre eux même son bail qui tu à toi qui t'a détruit ça relève les investissements étrangers dans le pays donc même ba OK ba trop mettre accent sur question ça parce que ba ouais gain importance. OK, Yves Marie Chanel et n'a rappelé ou c'est journaliste ou c'est entrepreneur ou c'est tout spécialiste dans question relation haïtienne-dominicaine qui te pose aux questions ça partant de rumeurs et nous sont évoqué et tout à l'heure parce que dans la perception gain monde qui croit que gagne un certain racisme dominicain vis-à-vis des haïtiens gagne et un paquet haïtien cap victime on série d'actions t'as capable de discriminatoire et l'autre bord ou même qui gon regard et sous genre situation hier dis-nous non par rapport avec entrepreneur haïtien qui prend décision ou bien qui fait choix à investir l'autre bord comment yo ici essayer adapter à climat d'affaires la République dominicaine est-ce que yo pas faire face à un ensemble de défis même là qui pas d'autre raciste. Bon, le problème qui pose, là, c'est que on comprend sur une question de l'entrepreneuriat haïtien. L'entrepreneuriat haïtien est différent niveau là-dedans. Un gros entrepreneuriat, des gens qui viennent avec millions de dollars, qui allaient, qui montent une entreprise en République dominicaine, la fonctionner dans un cadre bien déterminé. Pour qu'il y ait des gens qui ont les vobios, parce que c'est le dernier investissement qui fait.
qui était fait mon ça rentrer dans production de baleine et petite baleine et bon marché nous gagne nom des baleines ça les gros bougies et de luxe qui un parfum qui un dessin sur yo parce qu'on est dans la culture dominicaine par exemple ils utilisent bah ça en pile dans pas de culture dominicaine seulement la culture latino-américaine et espagnole donc on ça rentrer dans production on a des investissements qui dépassaient l'ordre de 60 millions de dollars donc ça veut dire que ça c'est son niveau d'investissement au niveau deuxième niveau d'investissement haïtien gagnant son niveau d'investissement de petite et moyenne entreprise de classe moyenne de mon diaspora soit qui rentre dans l'immobilier soit qui rentre dans la restauration ou bien dans multiservice ou l'autre activité encore de commerce qui pas rentrer plus dans qui pas trop dans production donc mon ça est tout yo capable ou gain deux aspects là-dedans gain mon qui rentre dans cadre légal li enregistré les formations de société la payer taxe la suivre que système dominicain établi pour gain entreprise mais dans même groupe ça ou ka un groupe qui vini et qui vini avec des déficits déficit que gagne c'est que gagne des monde qui vini premièrement pas gain résidence la fonctionner avec un visa entreprise a pas enregistré li fait entreprise la fonctionner quand même c'est comme si il y en Haïti il continue parce que les temps qu'on en Haïti là qu'on risque pour monde ça risque gain c'est pas saisir pour saisir entreprise non c'est que yo pas arriver en côté peut-être que soit la loi ou bien institution dominicaine yo pas intervenir et puis yo fermer entreprise ça parce que soit le pape ne paye taxe soit le pape complie en série de règlements qui lié à questions sanitaires ou bien des autres normes dans l'affaire de questions incendie etc. Parce que pour un cas spécifique côté haïtien qui a pris l'investissement c'est dans la restauration ils répondent à plusieurs vérifications et des fois d'inspection et ils dépendent de plusieurs institutions ils dépendent de ça ou les salles publiques santé publique donc au cas d'une inspection santé publique concernée et santé monde qui travaille dans entreprise là dans restaurant est-ce que vacciné est-ce que au cas Monsieur Chanel, est-ce qu'il faut bouger de côté où il y a été parce que la communication a fait mal là. Est-ce qu'il faut bouger de côté où il y a été? Ok, est-ce que bon. L'air plus bon. Oui. On va essayer. Ok. Est-ce que vous avez un meilleur signal? Plus ou moins jusqu'à présent, Anis. On continue. Allô? Problème allô? De communication. Oui, on a parlé avec Yves-Marie Chanel, journaliste, qui t'a expliqué nous un éclaircissement par rapport à des rumeurs qui t'ont circulé, surtout sur les réseaux sociaux concernant citoyen haïtien qui a investi en République dominicaine et éclaircissement tout sur chiffre ça qui oui allô 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 et bon essayer garder Sima rejoindre Yves Marie Chanel qui est en direct avec nous dans mon numéro rapidement on a rappelé nous avons parlé avec Yves-Marie Chanel sur deux aspects ça précisément mais vous devez nous poser nos questions là sur comment entrepreneur haïtien avait essayé adapter au climat d'affaires dominicain par rapport à tout ça gain la perception comme question raciste etc et discrimination tout ça donc on avait essayé de garder ça avec Yves-Marie Chanel on a rappelé le premier aspect qui c'est question sida et il confirmer ça pour nous avec un rapport qui sorti dans le journal dominicain Listing Diario côté au fait état de plus passé 78 000 monde vivant en République dominicaine avec VIH sida et bien parmi chiffres ça il y a 23 000 et haïtiens ou bien des monde qui ont origine pour origine haïtienne et seulement pour année 2021 Yves Marie Chanel souhaite expliquer ça autorité sanitaire dominicaine bien il recensé 2400 nouveaux cas et en République dominicaine donc pour qui ça concerne nous parce que nous connaissons et dernier moment ça surtout pour classement et nous en République dominicaine que ce soit voyage d'affaires ou bien voyage touristique tout ça donc nous pensons que c'était important pour nous parler avec un spécialiste dans la question au moins qui vont regard sur la République dominicaine bon difficulté persister alors Yvan Chanel
Allô? T'es bon, coupé. Oui, oui. Ok, on va essayer là. Oui, m'de final. Deuxième. Oui. Yo fait ça. Oui, vraiment difficile. À qui change. Et ça va marcher, non, M. Chanel? Donc ça va marcher. Même temps d'autre. Bon, c'est le côté pas parce que m'entends très bien. Ah, eh bien, on essaye. Mm-hmm. Allô? Oui, oui, oui. Oui, oui. Mm-hmm. On va te parler. Oui, oui, mesdames, donc, deuxième catégorie, ça, donc, c'est des mondes qui ouvrent l'entreprise et puis sans partir de compte de différentes de normes qui existent et de procédure qui gagne pour mettre en place pour gagner entreprise. Même plus pour Casario, par exemple, cap en Santiago ou bien dans Santo Domingo Este. Donc ces situations ça. Et puis troisième catégorie, c'est des monde qui dans commerce informel, qui dans business soit cap vendre dans la rue de la comme ça ou bien dans marché public. Donc c'est trois catégories. Et entrepreneur ça a gagné dans le pays ya. Et qui gon sous catégorie au niveau de classe moyenne qui n'avait pas les qui divisé en deux branches et nan moun qui en bas qui censé a dégager dans la rue. Donc c'est comme ça présenté comme tableau par le dominicain. Mais première catégorie ya, comme haïtien entre guillemets, il n'y pas joué dans l'imbrication, il n'y pas joué dans le côté que le rencontrer avec aucun dans l'autre catégorie. Donc c'est une faiblesse que gagne la communauté haïtienne en République dominicaine. Tant qu'on bande l'autre communauté haïtienne, même aux États-Unis, Miami par exemple, c'est le même problème qui existait. Parce que il y a plusieurs haïtiens. Yves-Marie Chanel, moi j'ai une dernière question pour vous. Et nous t'ai constaté pendant dernier moment ça yo et autorité migration dominicaine yo t'ai essayé et voyons ensemble de ressortissants haïtiens peut-être qu'ap vivre dans situation irrégulière l'autre bois et presque chaque mois ou pas passé on semaine pour pas attendre des dizaines des centaines d'haïtiens ap voyé tourner femme enceinte pas épargné et moun yo t'ai presque ap vivre sous pression l'autre bois mais depuis un certain temps là on a comme l'impression et que pression anti-jean baissé. Est-ce qu'on a une explication à ça, si oui? Bon, ça veut dire que pression baissé dans le sens que il y a un changement qui fait ça gagne une semaine, deux semaines alors. Le directeur immigration que ont remplacé, il y a un monsieur comme consul dans Boston et mettre un nouveau directeur dans l'immigration. Donc, le nouveau directeur immigration font un temps pour une cababoué qui orientation politique la gain mais concernant ça le refoulement haïtien il fait chaque jour il pas jamais campé donc politique migratoire migration dominicaine c'est que gain des camions qui surtout dans zone frontalière qui est toujours disponible et les que monsieur Cesse Fontio ou Kimbe haïtien. Parce que le plus souvent, comment ça s'est fait? Haïtien traverse la frontière, l'aller à pied. Et il y a des passeurs. Mon côté arrivé, c'est moto le point. Moto a une combinaison qu'on fait, il y a des côtés là le passé pour payer des gendarmes et pour continuer. Jusqu'à ce qu'il arrive des côtés, il y a une machine. Là, on a pris une machine dans tout POP et on fait somme tout pour mettre dans une ville, particulièrement la ville Santiago ou bien San Juan de la Maguana, des bails comme ça. Mais maintenant, son business. Parce que pour faire passer un haïtien illégal, on ne va pas aller juste marcher à pied, qu'on va aller dans une zone qui est plus près de frontière, qu'on va aller travailler dans le char. Non, nous qui pourrons travailler dans la construction, par exemple, ou bien des mondes de classe moyenne qui pourraient aller, ils coûtaient à peu près 8000 pesos. En fait, passe là. Différentes étapes pour le passer, monde qui ont payé pour mon arrivée. Donc, les gens qui ont des fois, ils ont pas arrivé, passé tout pas sûr. Donc, surtout les gens qui sont en niveau inférieur, les gens qui sont en classe en bas, ils ont toujours arrêté. Donc, les arrêtés, ils ont qu'un bureau dans le poste côté, ils ont arrêté. Et ils ont voyé dans ville frontalière qui est plus près. Soit d'Abon, soit Elias Pina ou bien Imani. Et de là, ils
yo voyé en Haïti, yo fait traverser, mais yo toujours gen des camions chaque jour qui prend des quantités d'haïtiens qui traversé. Et son bail qui constant, ça veut dire que nos haïtiens traversent matin, les traversent après-midi encore, yo voyé tourner matin, yo voyé tourner après-midi. Là yo gen des fois 4000 haïtiens qui rapatrient, 4000 là. Ou ka gen 1000 k ap tourné 2 fois 3 fois 4 fois donc il pas 4000 moun en réalité yon moun capable doubler capable tripler ça dépend de même deux fois qu'il fait tentative pour traverser frontière mais bah ça et son situation parce que Haïti a pas résoudre l'île Haïti a créé travail parce que réalité a qui s'allier gon majorité d'haïtiens besoin de travail qu'al travail dans plantation dominicaine. Il a touché 300 ou 400 pesos par jour, ou bah on mangeait, ou bah on côté puis on dormit. Même si on prend un côté qui descend, il y a qu'on électricité là-dedans, il y a qu'on vieille télévision. Donc ça vient fait que les gens ont comparé la ville avec la ville en Haïti, ils vont inviter en Haïti encore. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons changer les conditions de la vie. Parce que si Haïti te connaît, la meilleure façon pour te faire mal à l'économie dominicaine, c'est créer travail pour Haïtiens qui sont dans le secteur construction. Rester en Haïti. Créer travail pour Haïtiens qui sont dans le secteur agricole, rester en Haïti. Parce que Dominicani n'a pas qu'à vivre sans main-d'œuvre haïtienne dans deux secteurs, ça particulièrement. Et même dans le secteur touristique, là, nous avons 30 000 Haïtiens qui travaillent dans le secteur touristique. Là. Pas de problème. Bon après-midi. Bonne journée. Okay. Jean Gardi, Maisonneuve, vous avez dit bonjour. Bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour Guerrier, bonjour Lydie Alexandre, bonjour Johnny Ferdinand, et bonjour deux collaborateurs qui parlent, salut au côté. Bon, petit détail, non? Conflit terrien à l'origine, un kidnapping, ça veut dire qui casse ça? Mon cher, nous recevons dans le bureau, nous, plusieurs mondes qui viennent porter nos plaintes, de mondes qui mettent au dehors en bien, yo, et qui prennent bien, hein? Et Yuna Kayo, c'était ka et Alceo Makature. C'est directeur PDG Alma, entreprise ça, qui était gagné un mandat, il était metté derrière un citoyen qui était prend bien l'élan Caradeux, qui ont terrain d'acheter. Et puis, citoyen ça, t'es dit, sous parité, ma kidnappé ou bien m'tirou. Chose dite, chose faite, monsieur vient kidnapper l'an fin mois de mai comme entre mois de juin. Donc, mais monsieur de Bote nous traite là depuis mois de mars, depuis fin mois de mars. Donc, nous avons tout profité et nous avons une enquête que nous avons menée sur la question de monde qui prend bien mon nom, qui est liée avec la question de l'insécurité. Mon nom prend bien, l'Ivani. Li vanni l'acheter zam pour venir renforcer li pour plus fort pour l'entrer plusieurs côtés pour le premier. Et c'est ça qu'il faut après, en pile moun ou yo di, qui se chef de gang, sous garde côté yo commencé l'en vante, l'en prend bien moun vanni. Et ça qui prend le pire là, c'est complicité que yo gagne avec l'État. Gagne qui lié avec l'exécutif là directement. Gen qui gen ministre justicio, gen qui gen et juge d'instruction yo, commissaire gouvernement yo, yo gen et policier yo qui attaché avec yo, yo gen notaire yo, yo gen apprenteur yo. Et ça quand le pire de l'enquête que n'a mené, gen de moun qui vend bien moun nan 4 fois quand même notaire. Ba 4 moun différents. Quand même notaire. Ouais, ouais. Mm-hmm. Quand même notaire. Vous pouvez demander, vous êtes mal pour autant qu'on note pareil, qui a une bon, étude pour faire la justice, pour faire les papiers, pour aider les gens bien correctement, pour que vous-même qui participez dans ça. Vous pouvez demander qui vous prend là dans le pays. Ça. Et, vous l'autre enquête que nous menons encore, c'est que bandit ça yo pour yo à l'aise si yo konon ou bien placé dans la police, y a faut ka don terrain, y a faut si yo konon bien placé dans la justice, y a bon terrain pour construire kay. Ça fait en pile dans Caradeux, ça fait en pile dans
dans route frère dans peignier ça fait plusieurs côtés que de monde que bandio bon yon bagaille ou même pour faire mes yeux sur ça a fait donc situation ça pas carité et sans un monde pas dire parce que même n'a fait droit monde et surtout nous venons en pile citoyen qui vient porter nos têtes. Je n'ai exemple, je sais, Alceo, Mac, Arthur. Et dans le cas ça, précisément, qui s'est fait, puisque le citoyen a fait le menace, est-ce qu'il y a une autre plainte qui est déposée? Comment ça finit? Bon, monsieur, vous prenez l'île, vous prenez machine, vous prenez le coblan, mais monsieur, pas. Il est là, quand il est là, il est là, il est là, il est là pour nous faire. Et. Pour annexer le mandat que M. T. fait pour lui depuis l'année 2021, que le mandat n'a jamais exécuté, les citoyens n'a jamais caché. Il est dans tous les côtés. Donc, nous appuyons sur le mandat. Tout. Parce que nous avons essayé les citoyens, nous pas joindre, nous avons posé une question. Mais où est que le mandat M. T. fait? Et le mandat, l'idée que ça nous dit dans le rapport. Ok. Donc, maintenant, tu simplement voulu attirer l'attention autorité sur ça. Et même qui bourrade à part dénoncer ça, que nous baillons citoyens, par exemple, dans parler de Alceo Macature. Bon, citoyens, ça nous a travaillé avec l'empile et puis nous avons regardé comment nous avons fait côté l'autre plainte. Et puis, pour te caler au niveau international, pour nous montrer dans quel niveau pays il y a, ce n'est pas parce que nous avons porté international la plainte, non? Mais comme nous travaillons en pile avec avec communauté internationale, avec des droits humains qui de l'autre côté, nous faisons parler de ça. Par exemple, faut la justice là, faut que la police là, faut que l'exécutif là démarque ou de bandits qui a fait ça pas bon dans la société. C'est ça nous exiger. Par exemple, si y était tant de deux parties, peut-être ça pas privé jusqu'à ce que monsieur kidnappé. D'accord. Oui. Eh bien, merci un peu, Père Maisonneuve. C'est moi pour remercier pour votre travail que vous faites dans la société. Voilà. Bonne journée. Nous allons parler Koulia, avec Junior De Rose, Association Sécurité et Professionnelle et Similien Louis Galson, syndicat pour rénovation ouvrier d'Haïti. D'abord, Similien, bonjour. Et bonjour, Guerrier. Bonjour, Lydie. Bonjour, Bobsé. Nous allons tout ouvrier. Nous allons agent sécurité. Nous saluons Johnny Ferdinand, nous saluons tout ouvrier, nous saluons tout agent sécurité, nous saluons gros bout de tout garçon avec nous là, qui c'est Junior De Rose, coordonnateur général ASP, et nous saluons coordonnateur général nous qui c'est Réginald Jean. Nous saluons tout ouvrier. Junior De Rose, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Lydie, bonjour Ferdinand, bonjour tout agent sécurité. Nous comptons la matinée, vous venez parler causer et dans ce syndicat là. Et causer au salaire et similien, parce qu'on dit là, on a pile parole pour parler matin. Voilà Guerrier. Eh bien bon, je n'ai juste un sac que nous venons dans la radio Télé-Caraïbe. C'est ça fait un paquet de bagaille dans le secteur textile là, qui a passé et nous venons dénoncer là. Qui ça qui a passé? Pas bon que nous tous tenons la rue hein, pour question des salaires minimum pour vous demander ensemble à faire un accompagnement social. Eh bien, le que nous prenons la rue, ça qui est venu passer, pendant que nous demandons un accompagnement social, là, un bon salaire, le ministre est venu relayer nous dans une rencontre qui fait visa à l'autre. Le ministre affaires sociales là qui c'est Pierre Oudney. Okay. Pierre Rico Oudney. Comme nous sommes dans la rue et puis nous sommes nous. Les nous chitons ensemble avec lui, dit bon, ok. Sur la question de l'accompagnement social là, mais qui ça a gagné pour nous? Nous disons qui ça? Lui dit bon, gagné 135 millions de gouttes qui sont disponibles pour ouvrir toujours. Mais c'était toi pour ouvrir au niage en sécurité. C'était toi des questions qui te gagné pour te faire. Par rapport à mes questions, on gagne des questions qui fait qui 135 millions de gouttes pour te accompagner ouvrier. Tellement comme ça, tu es disponible. Le ministre dit que pour nous former une commission pour nous chita avec FAES, côté que pour ouvrir, tu es capable de jouer comme ça. Mais nous ne parlons pas ensemble sur la question de ATM. Il dit bon, ATM, non, là prend trop de temps. N'a pas passé par mon cash. Là, nous disons mon cash pour aller toucher sur ouvrier, bagage. Il dit non, c'est l'État, il est en chita avec. Directeur dit celle-là, toute bagarre qui est en conclu. Juste pour nous former en commission seulement et puis pour vous rejoindre comme ça. Depuis 27 juin, Guerrier.
C'est la commission qui a été formée. Kounia, bien sûr, la commission a été formée. Kounia, parce que l'on a parlé, il faut venir à toute preuve. Ça, c'est une correspondance côté que Action Unité a été coiffée par 5 organisations. Qui c'est SOD, qui c'est AASP, qui c'est OAM, qui c'est GOSTRA, qui c'est SOTA BATA OUVRIER. Kounia, par rapport à nous, nous formons une commission. Hein? Nous voulons une correspondance à la ministre. Eh bien, messieurs, dames, centrales, vous passez par en bas. Central syndicat, je parle de Dominique Saint-Éloi. Fédération. CNOA. Je parle de Pierre Télémac, Sota Boubata Ouvri avec Yannick Etienne Kaye. Je parle de Bonnet Fatal, qui fait partie de CTSP Gostra. Je parle de Belzin, qui fait partie de CTH. Ça, vous faites. Eh bien, messieurs, dames, c'est fédération. Vous allez chita avec ministre, à pas. Vous vont l'aide Bali. Qu'on a négocié sous deux ouvriers. Et mais qui ça qui vient de passer? 135 millions de gouttes ça qui était disponible. Il fait fond. Guerrier. Il fait fond. Maintenant, on compte visa l'autre gens. Le ministre a dit qu'il y a 135 millions de gouttes qui sont disponibles pour l'agent de sécurité et pour ouvriers. Mais il y a des gens qui étaient vibrés. Bon tabla. Nous t'avons suivi. Et puis le ministre a demandé pour former une commission. Hein? Messieurs, dames, ça, qui par contre nous, les gens dans la factory, ils ont dit que c'est eux-mêmes qui peuvent former une commission. Hein? Moi-même, je te réponds, je me dis que nous n'avons pas aucune factory, mais qui nous dit notre travail, c'est nous-mêmes qui avons contact direct avec ouvriers qui supposent chita qui pour former commission. Eh bien, nous avons pris le mal, nous avons vraiment fâché, nous avons vraiment estomaqué. L'homme est sorti sous la cour toujours. Nous avons discuté ensemble avec eux, nous avons monté la machine, nous avons fait une réunion. La caille Belzé qui sous route frère en face du Mbala, c'est la locale liée. Ils ont planifié pour vous assassiner par rapport à ce que vous dites. Oui, mais son cible dans le secteur, j'aime calé, faut que vous éliminez. Et je vais tout citer nos gens parce que nous vivons dans le pays qui est insécurité. Nous gagnons Belzé, nous gagnons Bonnet Fatal. Jean Bonal Fatal. Nous avons Dominique Saint-Éloi, nous avons Pierre Télémac, nous avons Yannick Etienne. Tout le monde a été dans un compte ça pour planifier pour envoyer assassiner. Deuxième bagaille, nous avons une station sœur qui était le 15 août, moi-même avec camarade Junior de Rose. Nous avons expliqué même bagaille ça. Eh bien, dans demain mardi 16, Télémac Pierre Vini, devant l'usine, il vient troubler ouvriers. Livin bay menti. Et pourquoi ça te fait mal guerrier? Ouvre s'il toujours n'en fait noir toujours guerrier. Et pourquoi j'aime moins clair? Non mais ça excusez. Même quoi, ni Télémac, ni Dominique Saint-Éloi, ni vous-même, nous non seul secteur qui c'est secteur syndical là n'a défendre. Il doit ouvrir. Mais qui ça qui explique que nous même pour ça? Vous voyez parce que supposé n'a défendre même revendication question meilleures conditions de travail, on prend bien salaire, très bien, qui ça gagne ça jusqu'à arriver réunion fait pour assassiner. Très bien, belle question. Et mais qui ça passe? Il y a des monde nous avec des costumes sur yo propre, nous tout a regarder dans notre espace pourtant dans l'esprit sale. Et qui ça passe? Monsieur dame ça yo font business avec ouvriers, avec agents sécurité yo. Chaque année monsieur, vous mettez nous deux dans la rue, coup, battre à la carrière, vous allez négocier sous nous. Et je exemple, je vais parler pour la République de tout ouvrier capteur de là. Qui s'allie? Nous, nos batailles, nous prenons la rue. Tout le monde te connaît, toutes les sensations, tout le monde te connaît. Qui ouvrier chaque année, nous prenons la rue pour nous défendre le salaire minimum, pour nous défendre droit nous. Eh bien, les battre à la carrière, nous avons un journaliste qui est Maxi Ben Lazar, qui est mort dans 4 batailles. Et bien qui ça monsieur ça au passé au fait hier il a négocié nous qui un bébé il a handicapé deux fois pour moi même non l'arrivé sous la lui la police a bail gaz bataille la police prend bébé il pas parler yo tellement bat monsieur ouvrier yo cassé cuisse lui monsieur dommagé nous qui une femme enceinte li tombe dans quatre batailles moun yo passé sous lui nous qui un ouvrier encore perdu pour lui dans quatre batailles là. Et puis après, pour messieurs, dames, vous avez négocié,
sous don nous même syndicat de base, avez-vous prendre nous pour c'est des imbéciles. Si sous gagner qu'il faut qu'on aille négocier. Très bien. Belle question. Et bien tu gagne une rencontre qui fait dans l'hôtel Wall Oasis avec moun sa yo. Gagne qui joue une machine. Gagne qui joue une moto. Gagne qui gagne chèque affaires sociales chaque mois qui a touché 50,000 gourdes. Il mène qui sont passés dans secteur. Et m'a tout dit là. Mon cas c'est là on veut assassiner, on veut fusiller. Mais vim sous compte Dominique Cetteloa, vim sous compte Bonnet Fatal, vim sous compte Belzé, vim sous compte Yannick Etienne. Parce que messieurs dames sont planifiés pour vous assassiner. Yo même si nous rencontrons, yo attend ça, yo ti Jean calme pour arriver sous moi. Comme vinn dans grand boulevard là, c'est le mot étoile de CPJ. Est-ce qu'on va vim déposer plainte déjà guerrier. Si je ne t'attendais officiellement dans la rue, mais à ce que je me devine dans grand boulevard.